C'est donc le dernier combat de cette soirée. Le premier combattant allez, pour ce main event, Maxime Soroka. Regardez ces images de communion. Ah, Maxime Soroka qui va venir avec plus quasiment 60 combats. 60 combats. 22 c'est... victoires, 34 défaites, un nul. Et dans ses victoires, il a 6 KO et 15 soumissions. Soumission à Maxime. Maxime Soroka qui nous vient d'Ukraine. Il nous vient d'Ukraine. Je pense que c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on entend actuellement les sirènes d'avertissement. Je pense aussi. Je pense aussi. Ça sent la purge. On arrive sur le dernier combat de la soirée. Eh oui, puisque Maxime Soroka vient bien d'Ukraine. Pays en guerre en ce moment. Pays en guerre, c'est vrai. Il aura la lourde tâche d'affronter le champion Sofiane Aissaoui. Le champion à titre de l'arène des sacres, Sofiane Aissaoui, qui remet sa ceinture en jeu pour la troisième fois. Deuxième fois, autant pour moi. On en attend beaucoup de ce combat ce soir. On en attend beaucoup de Maxime et de Sofiane, l'organisateur. C'est du rap ukrainien. C'est pas roubé. Ah là là, il est massif, il est massif. Oh, la roulade. Plein d'énergie pour Maxime. Waouh, massif, hein. Il paraît... Sofiane Aissaoui. Ah, Sofiane Aissaoui. Et c'est parti pour l'entrée de Sofiane, The Lion Aissaoui. On lui doit notamment des victoires face à des très très bons combattants. Je pense à Jean. Une Alors, Sofiane Aissaoui, on va revenir sur lui, monsieur Sofiane Aissaoui, de l'Hexagone 3. Il a gagné contre un certain Jean Dutrieux, champion du MMA 360, également champion du GFA, et également un certain Romain Debien, qui est champion du GFA, qui se situe à Nîmes, et qu'il a disposé de ce monsieur lors de 100% fight de 39. Vraiment, Sofiane, c'est un client. Et qui vont prendre au sérieux. C'est le client à prendre au sérieux, oui.
Mais là, moi, je suis surpris par la masse de l'Ukrainien de Maxime. Alors, on me dit à l'oreillette que Maxime Soraka aurait 7 kilos de plus. Il n'était pas au poids hier. Mais nous, on veut le spectacle et on veut la bagarre. Et je pense que ce soir, on a été servi et ce dernier combat va répondre à toutes nos attentes. Sofiane qui arrive sur une grande entrée. Alors qu'une danseuse hip-hop est venue souligner l'entrée de Sofiane. Et Sofiane qui avance lentement. Alors ce soir, il a été coach. Il a été organisateur. Et en plus, il est combattant. Sofiane est combattant ce soir. À son propre événement. Alors là, c'est du courage, de la folie et de la fatigue. Mais il répond présent ce soir pour ce dernier combat, le main event de la soirée de l'Arène des Sacs, 4e édition. On contrôle les mitaines. La coquille. Et voilà Sofiane qui salue l'adversaire. L'entrée du lion en cage. Voilà. Une belle entrée pour Sofiane. Arène des Sacs, 4e édition, c'est l'heure du main event. La ceinture numéro 77 kg est en jeu. Dans le coin bleu, combattant qui nous vient d'Ukraine, 1m85, il a 57 combats à son actif. 22 victoires, 6 par KO, 15 par soumission, une à la décision pour 34 défaites. Monsieur Maxime Soroka. Maxime Soroka, le visage fermé, prêt pour la guerre. Rouge de la team Lion Fight Gym et la Hatch Academy, 1m81, 13 combats, 5 victoires par KO, 1 par soumission, le reste de la décision pour 5 défaites. Monsieur Sofiane. Oui, le lion est dans la cage. Je répète, le lion est dans la cage. La foule est en délire. En tout cas, bravo à Sofiane de faire trois choses la même soirée. Trois casquettes dans la soirée. C'est, ça doit être assez compliqué à gérer. Mais Sofiane est un bon combattant, on le rappelle. Sofiane a gagné contre les plus grands noms, je disais Romain de Bienne ou alors Jean Dutrio notamment. Et tandis que Maxime Soraka a affronté aussi un autre champion français que nous connaissons et que nous saluons, Monsieur Steven Duvivier. C'était lors du 100% Fight 45 où il avait perdu contre ce dernier par KO. Alors là, ça y est, les juges sont-ils prêts? Là, on voit vraiment la différence physique entre Maxime et Soraka. Oui. Allez, c'est parti. Voilà. Alors là, on va savoir tout de suite. Voilà. La percussion entrée en jambe. On sent l'Ukrainien très vif. Les adversaires qui se jugent là, qui se jaugent. Ouais, ils se jaugent actuellement. Bon, on essaie de voir où va l'autre. Pour l'instant, je dirais. Ouais, bien joué, Sofiane. Le pied haut, mais ça ne touche pas. Il va falloir débloquer le combat. Oui. Voilà, un low kick. Voilà. Il va falloir exploser à un moment donné pour avancer sur l'adversaire. Oui. Là, ils sont toujours dans cette phase. Voilà, c'est ça. Ils sont encore dans cette phase de jauge. On s'observe. Voilà, bien. Je crois que Sofiane se prépare. Oui. Ils attendent l'ouverture pour pouvoir connecter aisément.
Ah, bien, on observe bien Sofiane. Ouais, très bien, on est placé. Ils sont alignés, les yeux dans les yeux. Petite touche. Ouais, c'est passé là. Oui. On dirait que c'est passé. Du respect. Oh, celle-là a touché. Là, celui-là, il a résonné dans toute la salle. Oui. On sent qu'il cherche à déclencher Sofiane, mais qu'il se retient encore un petit peu. Même Maxime, il est dans la faille. Ils attendent l'ouverture, la faille. Allez. Ouais, ouh. Il faut rentrer. Regardez-moi ça. Le défi d'homme là. Ce sera debout, ce sera pas au sol, que ça va se régler. Ouais. Ah, amené au sol de Maxime. Maxime fait un beau takedown. Voilà. On n'oublie pas qu'il a 15 soumissions à son actif. Mais là, Sofiane, voilà. Attention. Sofiane qui prend quelques faut pas coups. Qu'il reste comme ça. Oui. Ça épuise. Parce que là, voilà, c'est bien. Sofiane bloque bien. Il bloque bien le bras. Oh, Sofiane. Hop, hop. Oh, Sofiane. Attention. Attention, il faut pas donner le dos. Le dos. Voilà, c'est bien. Bon, Sofiane. Ah là là. Et ça va être un travail au sol. Maxime tente bien sûr de maintenir son adversaire au sol. Oh, beaucoup de pression, il y a une percussion. Eh oui, faut pas rester. Eh oui. Il faut éviter de rester comme ça. Ce sol. Attention les coups, Sofiane. Allez, collé au sol, collé au corps pour éviter les percussions. Oh là là, les coups dans les côtes là. Oui. Il va falloir que Sofiane se sorte de là. Il faut sortir de là, sinon ça va devenir compliqué pour Sofiane. Ça devient terrible. Grosse pression de Maxime. Il tente de lui prendre le bras. Non. Sofiane ne se rend pas, il est encore là. Oui. Oh, attention la tête. Oh, attention. Attention. Il reste 30 secondes sur ce premier rang. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Entre les deux combattants. Allez, on reprend là, le combat. La fin de la première reprise. Et une reprise quand même à l'avantage. Oh là là. Ouais. Premier round très compliqué. Un round compliqué pour Sofiane, qui à mon avis l'a perdu sur les amener au sol et le contrôle et les frappes poursuivies, je ainsi pense. Que les tentatives. Je pense que le premier round est pour Maxime. Les frappes qu'il a pu mettre n'arrivent pas à compenser ce gain en termes de créativité qu'a fait son adversaire sur la surface. Покажи ноги, он всегда.
Alors Sofiane. Oui, il a encore deux rounds. Parce que là le pro. Ok, allez, on y va. Okay. Allez, Sofia. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Allez, Sofia. C'est bon, Pano. Fight! Allez, tu vas c'est parti. Sofiane, tu vas y arriver. La deuxième reprise, c'est parti. Tu vas y arriver. Ça se rejauge. De nouveau, on retombe dans la même configuration. Oui. Et il sait maintenant, Sofiane, que l'autre n'attend qu'une chose, c'est de le mettre au sol. De le mettre au sol. Alors, cette fois, il va falloir que Sofiane soit un peu plus réactif. Un peu plus réactif et vigilant. Sur le sprawl. Oui. Parce que là, sinon, on court vers un second round qui ressemblera fortement au premier. Et je suppose que ce n'est pas ce que Sofiane veut. Non, il faudrait que, là, il y a une solution. Il faudrait qu'il sorte peut-être les genoux. Parce que sinon, il peut y avoir mal d'homme. Allez, Sofiane. Sofiane, il faut... Voilà. Allez, voilà, la tique. Voilà. Aïe, 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 aïe. En Corse. C'est bien. Ah, petit travail de Sofiane. Il essaie de placer les jambes. Non, ça restera collé. Il faut pas qu'il accepte cette position au sol parce que... Elle est trop dangereuse. Celui qui crée, c'est Maxime. Grosse incompréhension entre les combattants. Incompréhension sur les règles. Allez, c'est reparti. Oh, on est dans le flou avec ce combat. Alors là... Il tape les côtes. Il accélère, bien sûr. Allez. Ah, il était presque. Il était presque, Sofiane. Mais Maxime qui percute les côtes à Sofiane. Côtes. Il est dessus et il ne lâchera pas. Non. Rien du tout. Il va falloir que Sofiane. Il met une grosse pression. Il va falloir que Sofiane nous sorte le grand jeu. Il faut qu'il propose, qu'il crée parce que. On ne sait pas. Là, on va voir.
Allez. Allez, Sofiane. On ne s'occupe pas de ce qui s'est passé. On reprend. On rentre dans son combat. On revient dedans. Il reste encore un round et demi. On pense à faire les choses. Ouais. Alors, faut pas retomber dans. Il faudrait pas retomber dans, dans le piège. Oui, de Maxime. Parce que Maxime, lui, n'attend qu'une chose, c'est mettre au sol et bombarder. Oui. En attendant ce qui se passe. Là, Sofiane, il va falloir enchaîner, proposer des combinaisons. Oui. Changer de niveau aussi, parfois. Parce qu'il s'en sortira pas comme ça, ça c'est sûr. Ouais, ça passe, mais pas assez. Allez, il faut du travail, là. Ouais, ça percute encore. Allez, Sofiane, il va falloir accélérer, là. Il mène. Bien, Sofiane, bien. Sofiane qui maîtrise un peu mieux la fin de ce deuxième round. Il est un peu mieux, mais est-ce que ça sera suffisant pour le round? Sofiane, il va falloir accélérer. Oui. Sofiane, il va falloir aller plus vite. Ne reste pas attentiste et ne te contente pas de petites frappes. Dix secondes. Top. Il va falloir se réveiller pour Sofiane s'il veut repartir avec sa ceinture pour la troisième fois. Dans cette quatrième édition de... Je crois que Sofiane ferait bien de se dépêcher s'il veut recoller encore. Parce que je crois qu'en termes de combat, il est pour l'instant mené. Et ce n'est pas les petites touches qu'il fait sporadiquement qui inverseront la tendance. Allez, on va reprendre. Là, Sofiane, il va falloir accélérer, Sofiane. C'est maintenant, jamais. Il va falloir round. Il va falloir. Sofiane, il va falloir sortir tes armes si tu veux gagner la ceinture pour la troisième fois dans cette quatrième édition de l'Arène des Sacres. Il va falloir. Voilà. Du fair play et du respect. On aime ça, nous, dans le MMA. Très bon fair play, exactement, des deux adversaires. Par contre, la Sofiane, il va falloir vraiment... Il va falloir passer la 2, la 3, la 4 et la 5 et monter à 130 km/h. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Alors, un point de pénalité égale round perdu, je le rappelle. Ça va être compliqué, en tout cas, pour revenir. Mais je pense que Sofiane doit aller chercher la soumission, le KO. Et elle touche là. Il faut continuer, Sofiane, allez. Ah là là. Bon, là, on va dire, les choses se simplifient du fait du point perdu. Oui, pour Sofiane, se rendre, c'est dans la poche, sauf si un KO survient de nulle part ou la soumission. Maintenant, pour le combat complet, il va falloir proposer vraiment autre chose. Oui. Voilà, les diables qui passent. Allez, Sofiane avance.
Allez, Sofiane. C'est toi qui contrôle le ring, mais il va falloir faire quelque chose. Voilà, sors tes armes, Sofiane. Ça suffira pas. Allez, montre-nous. Pour porter le combat. Allez, Sofiane. Frappe forte. Beaucoup de respect entre les deux combattants. Vraiment du respect, ouais. Oh là là, les adversaires. Les deux combattants qui sont au maximum. On attend, on attend. Mais il faut déclencher, il faut avancer. Parce que là. Il sourit beaucoup, il sourit beaucoup. Il faut rattraper les points de retard. Voilà. Allez, Sofiane. Allez, Sofiane, sors tes armes. Ça suffit pas de tourner. Oh, allez, Sofiane. Touché. C'est ça. C'est ça. Touché. Il est touché. Il a été touché. Il a été touché. Sofiane, il est pour toi, Sofiane. Mais le KO te donnerait le combat. Il aurait dû le suivre. Il aurait dû le suivre parce qu'il était touché. Ah. Zit, zit. Allez, Sofiane. Allez, Sofiane, il faut continuer. Allez, après une entrée. Sofiane, il a impacté lourdement. Ça passe. Allez, Sofiane, il reste plus beaucoup de temps dans ce troisième round. Là, il va falloir arrêter de se... Il faut arrêter de se regarder dans le blanc des yeux et il faut y aller. Sofiane, il faut que tu avances. Allez, Sofiane. Et que tu finalises. C'est la fin du troisième round. Oh, allez, encore. Allez, allez. C'est bon, ça. Le public veut voir ça. Allez. Allez, Sofiane. Allez. Voilà. C'est ses armes. Il nous les montre. Et il faut qu'il continue. Allez, allez, Sofiane. Il faut... Là, Sofiane, il allez, faut... Sofiane. Il faut que tu finalises là. La foule est derrière toi. Il faut finir ce combat. Allez, maintenant. Ne laisse pas récupérer. Allez, Sofiane. Ce round, il est pour toi. Et ce combat aussi peut être pour toi. Sofiane. C'est bien. Attention à la garde. Eh ouais. Bien joué. Bien joué. Allez, mais maintenant, allez, les combattants. Il faut avancer là. 30 secondes, Sofiane, c'est tout ce qui te reste. Allez, 30 secondes. Sofiane, il te avant reste la fin de 30 ce combat. Secondes pour remporter ce combat. Allez, Sofiane, il reste 10 secondes. Voilà, voilà les armes. Voilà les armes. Stop. Je ne sais pas si ce sera assez pour Sofiane. Un troisième round. Mais c'était un incroyable combat. Largement dominé par Sofiane. Est-ce que ça suffira pour compenser les deux premiers? J'ai un doute. Mais en tout cas, très bon combat. A été servi ce soir. Oui. Alors là, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que le dernier round parfait de Sofiane sera suffisant pour vaincre, disposer de son adversaire? La décision de l'arbitre. Parce que là, le premier, il est clair que non. Le deuxième est mitigé. Je suis vraiment pas sûr. Mais alors le troisième, il est à Sofiane exclusivement. Je croyais la ceinture de l'État.
troisième. Champion de la catégorie Manhattaner. On a passé une excellente soirée ce soir, messieurs, dames, avec ce main event. Plutôt pas mal de l'organisateur. Et Maxime Souroka qui s'est bien battu ce soir. Sofiane Aïssaoui aussi. Ils nous ont régalé. C'était le dernier combat ce soir. Alors attention, la décision tant attendue. Décision partagée. Ah, décision partagée. Et reste champion de la catégorie. Bravo Sofiane. Sofiane, félicitations. Sort du diable de feu. Une elle guerre qui se sont livrées. Ce n'était pas la Russie contre l'Ukraine, mais c'était le lion contre l'Ukraine. Et on a donc Sofiane Aïssaoui qui reste le champion. On peut applaudir son adversaire qui n'a vraiment pas à rougir. Remise donc par Madame le maire, ceinture welterweight de l'arène des sacres, Sofiane Aïssaoui. Bravo également aux adversaires, Maxime Souroka. Alors là, bravo, mille bravo à Sofiane qui remporte sa ceinture et qui conserve son titre. Je dois dire, difficilement face à un adversaire qui a beaucoup, beaucoup très donné de difficultés. Le doute était permis ce soir. Je sais que c'est pas le combat de l'année. Je vous l'accorde. Difficile combat comme les Sofiane, effectivement. J'ai coaché, j'ai couru partout. À partir du moment où j'ai accepté de faire le combat, j'accepte toutes les conséquences qui vont avec. Vous n'êtes pas censé savoir que Maxime était pas au poids pendant la pause officielle d'hier. Et la réglementation dit que normalement, il est censé enlever 20% de sa prime qui doit me reverser. Vous êtes censé aussi savoir que Maxime est ukrainien. Je ne suis pas là pour faire de la politique ou de la géopolitique. Je m'en fiche. Là, c'est le moment que je parle. Concrètement, avoir de son argent, grâce à Dieu, je m'en donne rien. J'ai un toit, j'ai un droit de mourir. Et vous savez tous le contexte actuel pour l'Ukraine, dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. C'est des mots forts. C'est pour ça que la somme qu'il est censé me donner, parce qu'il n'a pas été au poids, je le regrette, il en a beaucoup plus besoin que moi. Bravo, du cœur, Sofiane. Sofiane a du cœur. C'est du cœur, c'est ça le respect dans le MMA. Voilà. Donc, le respect n'a pas de frontières. Sofiane a Aïssaoui, et il faut deux pour faire un combat. Donc, merci aussi à Maxime Souroka. Merci à Maxime, merci à Sofiane. Maxime qui a fait un combat. Dantesque. Ah oui, un très beau combat. Je suis persuadé que si le match avait été un peu plus dans le sol, laissé au sol en tout cas par les arbitres, on se retrouve prochainement. Merci à tous d'être venus. En tout cas, bravo à Sofiane qui conserve son titre une seconde fois. Exactement.